Monsieur le maire, mes chers collègues, le rappeur Medine Zawish, artiste controversé, connu pour ses textes hostiles à la laïcité, a annoncé sa participation à un concert dans la commune de Saint-Nazaire, le 17 novembre prochain au VIP. Les propos de cet artiste semblent parfois relativement éloignés du pacte républicain. En témoigne notamment cet extrait de son morceau « Don't Like », qui parle de crucifier les laïcars, ou les appels explicites au djihad islamique contenus dans son deuxième album. Mais c'est surtout son annonce récente d'une participation à un concert au Bataclan, salle martyre du terrorisme islamiste, en novembre 2015, depuis les attentats, qui a ému l'opinion publique. Depuis, le dit Medine a fait machine arrière. Mais il s'en est fallu de peu, et ce mauvais goût à l'égard des victimes du terrorisme perdure dans d'autres villes, de salle en salle, et parmi ces salles figure donc une salle de Saint-Nazaire. Cette présence annoncée de Medine dans notre ville interroge et motive en retour cette question de notre groupe. Quelle est la position de la mairie sur cette venue dans une salle subventionnée par l'argent public ? En effet, il s'agit d'une salle propriété de l'association des Escales, laquelle est subventionnée chaque année par la mairie. C'est bien normal, nous votons d'ailleurs systématiquement ces subventions. Mais nous ne les votons pas pour que n'importe quoi soit fait de cet argent. Monsieur le maire, nous ne croyons pas que notre interrogation soit superflue dans la mesure où la salle concernée donc, est financée par l'argent public, celui des Nazériens. La polémique nationale de ces derniers jours autour de certains textes de rap anti-blanc, notamment un texte appelant à pendre les blancs, nous conforte d'ailleurs dans notre souhait de vous demander quelle est la position officielle de la ville sur l'accueil de chanteurs du type de Medine, dont certains propos semblent incompatibles avec les valeurs de la République française et appelés à un remplacement culturel du peuple français.